À mon avis, il y en a qui ont échangé les vélos. Ah, vous avez un numéro? Ouais. Il y a la réglage de sel. Ouais, je me mets derrière et je filme. Et le but, c'est toujours de vous de serrer derrière. Voilà, vous regardez le dos de celui qui est devant. Moins d'un mètre, c'est bien. Prenez pas trop de distance. Essayez toujours d'être en phase, en groupe. Ouais. Allez-y, il faut bien coller. Allez, faut qu'on colle celui de devant. Parce que là, on a trop de distance entre Quentin et nous. On a quasiment une demi-piste. Vas-y, passe devant et prends le trou. Bouche le trou, voilà. Allez, vas-y, accélère et prends la roue. Non, reste dans les roues, reste dans les roues maintenant. Ah, il faut bien coller. Allez, vas-y, tu peux coller encore plus. Devant toi, il n'a pas de frein. Allez, vas-y, tu peux coller encore. Voilà, et si tu arrives trop vite, tu te décales légèrement sur sa droite. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, tu peux encore coller. Là, t'as trop d'espace encore. Ah ouais, tu peux te mettre à 50 cm, 1 mètre de sa roue. Devant toi, il a pas de frein, il pourra pas freiner. C'est pas comme sur route, où sur route, celui devant toi, il met un coup de frein, bah t'es dans lui. Là, sur piste, il a pas de frein. Allez, maillot rouge, faut rattraper devant. Tu vois, tu reviens doucement et tu vas encore boucher ton trou là. Vas-y, même en haut comme il faut, hein. Pas sur les. Voilà, pas dans le virage du guidon. Mettez bien les mains en haut, pas les mains comme vous avez monsieur. Voilà. Vas-y, tu peux coller encore plus, tu vois. C'est là que tu vois que devant toi, s'il freine, tu vas vite le voir. Ne serait-ce qu'il ralentit, tu vois. Et on reste bien les uns derrière les autres là, parce qu'on va s'arrêter. Hein. Et vous avancez comme il faut. Et tout au bout. On avance au maximum. On avance. On va céder en deux.